Parler de mon travail, c'est toujours une relation à l'équilibre. Mais ça commence toujours un peu comme, quand on commence à marcher, quand on cherche son équilibre. Ça renvoie toujours à l'enfance. Ça commence, les dessins, c'est toujours une série de gribouillis. Et ensuite, j'essaie de trouver des solutions à la fois dynamiques qui font penser effectivement à l'architecture. Mais ensuite, ça s'exécute aussi à l'inspiration, bien que tout soit dessiné, construit, puisque à partir des gribouillis, le travail de sculpture est un travail de sculpture construite. Je n'enlève pas de la matière. Je travaille à partir du bois, du fer. Et donc, je cherche à travers des formes qui sont des formes simples, géométriques. Un travail qui est un travail aussi de... sur un arrêt, comme un arrêt sur image, un arrêt sur le temps, comme un temps présent entre deux états. Mais c'est aussi une attitude philosophique sur le monde qui m'entoure. Comment arriver à trouver son équilibre? C'est aussi de ça dont il est question. Et le travail qui se fait petit à petit, trouver le rapport juste entre les éléments pour qu'ils tiennent dans une architecture d'ensemble, un peu comme là quand j'essaye de trouver à la fois une dynamique en sachant que tout ça est très fragile et qu'au moindre mouvement, les choses peuvent basculer et trouver aussi dans ce chaos un autre équilibre. C'est la sculpture qui est dans l'escalier, qui est un rapport à la fois au monde qui nous entoure, dans lequel on vient puiser de l'énergie, de la matière pour créer nos fantasmes, mais on sent très bien que, à force de puiser dans les ressources, l'équilibre peut être à tout moment balayé.
Donc là, ce qu'on voit, c'est une sculpture virtuelle qui apparaît. Donc j'ai créé comme les autres sculptures, mais qui ne peut se voir que par l'intermédiaire d'un Android. Et la possibilité, c'est de pouvoir en changer la texture. Et ensuite, dès qu'on enlève l'Android, la sculpture disparaît, il n'y a plus que le socle dans l'espace d'exposition. Elle fait 3,50 m de haut. Oui, c'est comme une sculpture visible et invisible. Et ensuite... on peut la faire disparaître.